lors de la RMM, le pilote qui va commencer la RMM va vraiment préciser qu'on est là pour comprendre ce qui s'est passé, pour confronter l'expérience, qu'il n'y aura pas le jugement et qu'on est vraiment dans une démarche d'amélioration de la qualité. Alors, on a vraiment ces principes déontologiques à la fois pour les équipes, mais on a aussi des principes déontologiques concernant les patients, puisque là, on ne présente pas de patients, mais des cas. Et on a vraiment la nécessité d'anonymiser finalement les données de la RMM, aussi bien pour ne pas avoir de nom de patients, mais non plus de stigmatisation des professionnels de santé qui sont autour de la table. Bonjour à tous, nous allons donc débuter notre deuxième RMM de l'année. Je vous rappelle que la présentation du dossier se fait évidemment en toute bienveillance, qu'il ne s'agit pas d'incriminer telle ou telle personne, et que notre seul souci, c'est de comprendre ce qui s'est passé pour notre patiente. Je vais laisser Anne Bérangère nous présenter le dossier. Il y a vraiment une chronologie dans la mise en place de nos RMM. On va commencer à présenter les cas. Donc la première partie du cas, il peut y avoir plusieurs cas présentés, donc on commence par présenter les faits, que s'est-il passé, comment s'est déroulé l'événement indésirable, éventuellement aller jusqu'aux éléments qui ont permis de récupérer l'événement pour qu'on n'arrive pas forcément au dommage, si c'est un événement porteur de risque par exemple. Donc je vais vous présenter le cas de Madame M, patiente âgée de 75 ans, arrivée dans le service en soirée, transférée des urgences. Malheureusement, la patiente décède dans la journée. C'était pour vous relater ce cas qui nous a posé pas mal de questions dans le service. Effectivement, après que le cas ait été présenté complètement et dans la relation des faits chronologiques, il va être intéressant que l'équipe s'interroge sur les causes qui ont généré cet événement. Donc, dans un premier temps, on va commencer par les causes immédiatement perceptibles par tout le monde. Donc, l'étape suivante, une fois qu'on a essayé d'identifier les causes qui sont apparentes, c'est d'aller fouiller un peu plus profondément dans ce qu'on appelle nous, les causes profondes, donc dans une analyse un petit peu plus systémique. Et finalement, quand on creuse vraiment profondément, on s'aperçoit qu'on remonte vraiment beaucoup aux causes organisationnelles. Donc on a des méthodes pour investiguer ces causes profondes. Alors certaines s'appellent la méthode des 5 pourquoi. On remonte de cause en cause au moins 5 fois en se posant la question de pourquoi. On peut aussi utiliser les méthodes alarme qui sont préconisées par la Haute Autorité de Santé, qui est une méthode d'interview où on balaye toutes les causes, les typologies de causes. Et puis une fois qu'on a identifié toutes ces causes qui sont profondes, on peut aussi les chaîner en arme de cause racines et qui vont permettre d'identifier ensuite les actions d'amélioration et les actions correctives. Dans le cas analysé, 4 causes ont été identifiées. Confusion entre 2 ampoules de dosage différents, défaut de surveillance, surcharge de travail et interruption de tâches, problème de formation. Alors, il est évident qu'une RMM, ce n'est pas juste une discussion entre professionnels. Ça doit aboutir à des améliorations concrètes dans la pratique et dans les prises en charge des patients. Donc il est donc important qu'en fin de RMM, on ait une liste d'actions à mener qui vont permettre de sécuriser donc, les prises en charge. Donc ces actions à mener, elles vont être construites avec des éléments d'évaluation, des indicateurs. On peut même imaginer que d'une RMM sur l'autre, on regarde, on fait un petit peu le point pour savoir si les actions proposées ont été suivies et si elles ont été efficaces. L'intérêt de les proposer en RMM, c'est qu'elles vont être consensuellement acceptées et donc mises en œuvre de façon plus réaliste et plus efficace. Il y aura toute une démarche aussi de communication de ces actions alors au reste de l'équipe qui n'a pas forcément assisté à la RMM. Il peut y avoir aussi la communication auprès de la direction, parce qu'il peut y avoir des actions qui relèvent non pas du service, mais de l'institution. Donc c'est très important que les enseignements tirés finalement de ces RMM servent à mettre en place des actions correctives, collectivement et consensuellement admises, et qu'elles soient donc suivies en termes d'indicateurs. Et même, comme on a les RMM sont des outils, des versions des pratiques et de DPC, le fait de se revoir régulièrement sur les actions correctives et leur suivi permettent d'entrer dans des programmes aussi plus larges de DPC par exemple.